Hey, salut à tous, c'est NH Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excuse-moi, j'ai un petit truc dans la gorge. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Feed the Beast. Alors, j'ai déjà un petit stuff. J'ai déjà des choses dans la maison là-bas parce que je trouvais le village de PNJ, du coup il y avait des choses intéressantes dedans. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait sur Feed the Beast? Eh bien, Feed the Beast... Excuse-moi, attendez. Voilà. Feed the Beast, c'est un mod qui m'attrait beaucoup. Puisque... Il y a beaucoup de choses, hein, regardez, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est pas les crafts qui manquent. Il y a de tout, il y a Portal, il y a tous les modes que vous connaissez, hein. Enfin que vous connaissez, non, peut-être que vous les connaissez pas. Il y a Industrial Craft, il y a Forestry, il y a Buildcraft, il y a Portal, il y a... Enfin, tout un... Il y a Extra Biomixels, pour ça par exemple, là-bas vous voyez, il y a des arbres qui ne sont pas, dans la génération de map normale. Hein. On a des ruches, enfin on a vraiment plein de choses. Et donc, c'est le premier épisode de cette nouvelle série qui ça va s'appeler Real Craft. Real Craft, puisque ces mods quand même rendent le jeu beaucoup plus réaliste que il ne l'est de base. Donc j'ai trouvé ce petit village PNJ, il est assez grand, il y avait pas mal de choses dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça dans le, chez le forgeron, du thym, du bronze, etc. J'ai trouvé plein de bouquins du coup. Donc ça c'est bien pour ce qui va venir. Ah oui, donc parce qu'il y a aussi Mistcraft. Et Mistcraft, alors attendez, on va regarder. Book, voilà. Mistcraft, ça donne ça par exemple. Ces choses-là, la Descriptive Book, Linking Book, Notebook. Il y a aussi ça, c'est Book Receptacle, Book Stand. Donc ça, ça vient de Mistcraft. On a aussi Writing Desk. Writing Desk, donc qui permet de créer ses propres mondes. Je vais vous expliquer tout après. Et le link modifier. D'ailleurs, je me demande si il est difficile. Ouf, ah oui. D'accord, c'est pas pour tout de suite. Donc, à quoi ça sert? C'est très simple. On peut créer un livre. Donc, rien qu'en mettant là, ça vous fait un linking book. D'ailleurs, je vais regarder. Ouais, c'est toujours comme ça, d'accord. Donc, vous pouvez créer un linking book. Linking book, en fait, quand vous l'utilisez, il va vous téléporter à l'endroit où vous êtes, mais il va pas vous suivre. Enfin, c'est-à-dire qu'il va rester à l'endroit où vous étiez, et il va tomber comme si vous aviez disparu spontanément. D'ailleurs, en fait, c'est le cas. Et, hop. Alors, excusez-moi, c'est ma chèche qui grince. Le descriptive book. Descriptive book. Donc là, il faut juste rajouter une plume. On a ce bouquin là. Soit on peut l'utiliser directement et ça nous permet de créer un monde au hasard. Soit grâce au notebook. Donc ça, là, ça, c'est juste comme ça. Hein. C'est un gros truc de papier qui permet en fait d'enregistrer les symboles qu'on aura obtenus. Ah, d'ailleurs, le writing desk, je sais pas comment on le fait. Hop. D'accord. Il nous faudra tuer du poulpe, mais bon, c'est pas ça qui va nous retenir. Donc en fait, le problème, ça va être surtout, enfin, ce sera surtout en effet au niveau des plumes, puisque, mine de rien, les plumes, il faut faire un élevage de poulet et tout ça, donc ça va... Ça, c'est le seul truc qui pose un problème. Donc, la première étape de ce let's play, ça va être d'aller miner, quand même, hein, mine de rien, il nous faut un peu de stuff, et surtout, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, il me faut un peu à manger, mais j'ai pas de quoi le faire cuire. Je vais prendre ces pommes. Je vais planter des arbres pas loin. Voilà. Là, en fait, parce que mine de rien, c'est quand même un survival. Enfin, il y a beau avoir des nouveaux modes, etc. Il faut quand même qu'on ait les ressources de base pour pouvoir utiliser ces modes. Donc, du coup, hop, toi, tu t'en vas. Voilà. Le cactus va être utile aussi, mais ça, ce sera pour plus tard. Écoutez, je pense pas qu'on va rester ici tout le temps. Enfin, c'est sûr qu'on va pas rester ici tout le temps. Mais le centre où on voyagera entre les différents modes, les différents mondes, puisqu'on va du coup avoir différents mondes de lesquels on pourra voyager et on fera une de nos bases là-bas.
Enfin, on fera notre base là-bas, sans aucun doute. Puis après, on fera un monde avec les machines, etc. Enfin, on va faire un beau monde bien, bien cool. Et donc, aussi, là, ce qui va être différent pendant cette série, ça va être ma façon de tourner. Avec vous, la dernière fois sur Age of Minecraft, ce que je faisais, c'est que je restais avec vous tout au long de l'épisode. Et pour des raisons évidentes, pour pas que vous vous fassiez chier, vu que moi, il faut que je fasse des choses. Forcément pas très intéressante. Je vais couper ces moments qui sont pas intéressants. Je reviendrai vers vous, donc je vous filmerai au moment où je voudrais vous montrer des choses. Pardon, j'ai un petit truc. Je reviendrai vers vous, du coup, en fait, au moment où il y aura des choses intéressantes à vous montrer. Donc, on va se laisser maintenant. Je vais aller miner et sans aucun doute chercher du poulet. J'ai pas de prêt de lait, je vais en prendre. Et d'ailleurs, j'ai reposé les bouquins aussi. J'ai déjà dormi dans mon lit, hein, donc on n'a pas réussi. Le spawn de base n'était pas ici. J'irai chercher des poulets pour faire des bouquins. Et donc, le truc auquel on va s'attaquer le plus rapidement, hein, ça va être ça. Puisque c'est dans ces mondes-là qu'on va s'attaquer à tout le reste. Alors, par contre, j'ai tout remis. Voilà, il me faut du blé. Ah non, c'est vrai, eux, ils prennent des graines. Il me faut. Alors. Là, les sugar canes, on va les prendre et on va les planter. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va prendre un peu de bloc, hein, mine de rien, c'est toujours utile. Le pork chop, voilà, ça on le garde. On garde 5 carottes et 2 pommes, voilà. Ça me paraît raisonnable. Non, c'est bon. Ok, je vais planter les sugar canes. Et puis je vais faire tout ce que j'ai dit. Voilà. Je reviens vers vous donc dès qu'il y a du nouveau. À tout à l'heure. Hey, nous revoilà. Je suis désolé, mais le son de cette vidéo n'a pas été enregistré. En fait, Fraps a décidé, pour une raison XY, de ne pas enregistrer le son de cette partie de la vidéo. Je me suis rendu compte que au montage. Donc là, je vous montre en fait juste vite fait tout ce que j'ai récupéré en faisant un petit minage. Aussi que j'ai. Enfin, en faisant minage. Non, je crois que c'est en cherchant dans le village PNJ, je me souviens plus. Oui, je crois que c'est ça. J'ai trouvé une armure en fer, etc. Donc je suis content. J'ai aussi donc fait un élevage de poules, comme j'avais dit. Alors là, par contre, donc je vais chercher en fait dans les vidéo settings. Je voulais enlever les connected textures puisque ça rendait moche sur les vitres là. Donc je passe 4 heures à chercher où sont les connected textures. Donc non, là ça c'était les animations. Quality. Ah, voilà. Donc je l'ai trouvé. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Si, voilà, je vais changer de texture pack pour le Omnicraft 32. Donc c'est un texture pack que Omega 929 m'a gentiment offert. Je le remercie pour ça. Et en fait, c'est un texture pack donc qui est un mixte entre différents texture packs qu'il est en train de faire. Je l'ai trouvé sympa. Alors je l'ai utilisé. C'est un 64, je crois. Non, c'était un 32, pardon. Un 32 x 32, avec une typographie qui me plaît beaucoup. Et donc, dans cette partie de la vidéo, je me suis attaqué à un morceau, du coup c'est vraiment bête, un morceau voilà assez gros. Donc j'ai mon notebook, hein, mon petit notebook dans lequel on va mettre les symboles. J'ai crafté donc un writing desk, et je vais créer en fait des nouveaux mondes. Donc le notebook, c'est là où on va enregistrer tous les symboles qu'on va gagner grâce au livre, des livres qu'on va générer aléatoirement en fait. Les mondes vont être générés aléatoirement. Alors attention, parce que plus vous en faites, plus la map va peser lourd à la fin. Donc pour crafter un livre qui va générer un monde, il vous faut un livre et une plume. Et donc alors là, je vous montre vite fait le bookstand. En fait, le bookstand qui permet de laisser les livres, parce que quand on en les drop un par terre, il peut tuer. Donc là, je crafte un linking book. Ça va faire que quand je l'utiliserai, je reviendrai directement là où je suis. Donc là, je pouvais pas le faire parce que il faut utiliser un truc spécial pour pouvoir se téléporter dans le même monde. Mais donc ça me permettra de revenir dans le monde normal.
Et pour créer voilà un descriptive book qui permet de générer un monde, il vous faut un livre et une plume. Donc vous avez le descriptive book. Oui, vous pouvez choisir soit de le générer aléatoirement, soit avec les signes que vous allez obtenir, en créer un personnalisé. Ce qu'on fera plus tard pour avoir notre base dans un monde qu'on aura généré. Donc là, j'ai mon bookstand, mon livre pour revenir. Donc je suis normalement prêt pour y aller. Donc là, je sais pas ce que je... Qu'est-ce que je vais bien pu raconter? Donc je crois que là, voilà, je dis que je vais y aller. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous cliquez sur la petite fenêtre noire et ça peut mettre un certain temps, hein. Le monde va se générer, là en l'occurrence aléatoirement, puisqu'on n'avait pas mis de symbole pour le faire. Donc là, on est de toute évidence sur une flotte grasse où apparemment on brûle quand on est au soleil. Et je crois qu'il y avait peut-être des explosions, je suis pas sûr. Enfin bref, c'était un monde instable en tout cas. Flotte grasse avec apparemment désert, forêt normale et jungle. Et sans doute Eternal Night, étant donné que c'était la nuit. Et donc pour revenir, hop, je pose le pied et je clique sur le livre pour revenir à temps. Donc là, voilà, ça a généré des symboles aléatoires, hein, des symboles qui décrivent ce qu'il y a dans le monde. Ce livre, on va pouvoir le prendre. Donc là, j'ai Black Sunset, hein, Blue Sunset, j'ai des biomes pardon, un biome contrôleur, j'ai des biomes, des trucs qui définissent le ciel, à part le weather. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas de pluie parce que c'est un no weather. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Slow time. Alors, ça ralentissait le temps. Le no weather est un truc d'instabilité comme le flat aussi, hein. Ce sont deux facteurs d'instabilité. Donc c'est sans doute pour ça que le monde était instable. Donc là, Edge, voilà. Et vous voyez que ça a rajouté tous les symboles qu'on avait dans le livre. Alors on peut le renommer aussi, hein, pour mieux s'y retrouver. Je l'ai renommé Age Flotte Brûlant. Hop. Et voilà, on a un monde instable. Donc là, en fait, j'ai fait un petit coffre rapidement. J'en avais besoin. Je l'ai mis donc juste à côté du writing desk pour hop, mettre le livre dedans pour pas m'emmêler les pinceaux après. Et donc après en fait j'ai continué comme ça, j'ai fait deux trois mondes avec vous. Et ensuite en hors caméra j'en ai généré beaucoup d'autres pour avoir plein de symboles et qu'on puisse en créer un ou installer notre base. Par la suite. Donc là, je suis à nouveau sur une flat, apparemment avec des sortes de marais. Je sais pas trop ce que c'est comme biome. Là, il y avait un rubber tree. Donc, rubber tree qui permet d'avoir du rubber. Hein. Vous l'aurez deviné sans aucun doute. Je repose mon truc et je m'en vais immédiatement, puisque le monde était extrêmement instable. Vous voyez, j'avais même de la slowness, parce que ça peut rajouter des effets de potion, en fait, carrément. Donc, j'avais medium biome, glacier, green swampland, désert montagneux, qui est assez sympa, Green Sunset. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai Green, Black et Blue Sunset. Donc ça rend le truc totalement instable. Normal weather, normal time et flat. Donc le monde avait quoi être instable aussi. Et toujours, bien évidemment, je le mets sur ma table pour récupérer les symboles et renommer le livre pour ne jamais s'en mêler les pinceaux. Donc la flotte brûlant 2, hop. Je remets ça dans le coffre. Alors j'espère franchement que les explications iront à peu près avec les vidéos parce que du coup là j'enregistre à part tout en regardant la vidéo à côté. Ça m'énerve vraiment parce que du coup c'était toute la phase explicative. Je sais pas pourquoi le truc a pas enregistré. Je suis un peu dégoûté, je dois avouer. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc là, j'ai régénéré un autre monde. Cette fois-ci, je suis atterri apparemment dans un glacier. J'ai slowness et weakness, donc ça veut dire que je ne peux pas taper, mais littéralement pas taper les monstres. Mais en même temps, c'est pas, vous me direz, c'est pas forcément super grave, étant donné que les monstres sont aussi atteints de weakness, et donc ils peuvent pas me taper. Et là, vous voyez une explosion, donc ça, c'est une météorite. Les météorites, c'est très très puissant. Enfin,
Après, j'ai été dans un Densor hors caméra et j'ai failli laisser la peau. Enfin, je suis mort dedans hein, plusieurs fois. J'ai pas pu revenir étant donné que j'avais. Que le je, quand on meurt en fait dans un monde généré, on réapparaît dans le monde généré. Du coup, le seul moyen de revenir, c'est avec un book vert. Et il y avait un bug qui faisait que. Enfin, j'arrivais plus à ouvrir le bouquin vert, donc j'ai dû revenir en supprimant mon fichier du joueur, enfin ça a été toute une embrouille. Donc là j'ai voilà, je renomme hein, stable 3. Après j'ai fait que ça un stable 3 jusqu'à ce que j'ai eu le symbole Densor qui permet de faire des mondes, enfin je vous l'expliquerai après d'ailleurs ça, mais qui permet de faire des mondes avec des diamants par exemple beaucoup bien plus près les uns des autres et surtout des plus gros filons que dans le monde normal. Mais du coup, bien évidemment, vous l'aurez deviné, ça rend le monde totalement stable directement. Et du coup, j'ai fait des tests de Densor, j'ai dû en faire une petite dizaine avant d'en trouver un qui soit pas trop instable. Donc là, je suis à nouveau sur une flat, mining fatigue, donc ça, je vous raconte même pas comment c'est chiant. On tape à 2 à l'heure et on mine à 2 à l'heure, c'est surtout ça le problème. Donc là, alors, pardon, rivière, deux Black Sunset d'affilée, donc ça rend instable aussi, flat qui rend instable. Enfin bref, et ah oui, pour récupérer le livre, soit vous pouvez prendre le petit. Il y a un petit livre qui apparaît normalement en haut à gauche, voilà. Quand vous ouvrez le livre, vous cliquez dessus, ça va vous afficher votre inventaire, vous le mettez. Soit vous faites shift-clic droit, ouais, pour récupérer le livre en le visant. Donc à chaque fois, j'ai fait ça en faisant un linking book, un bouquin normal, une plume, hop, on y retourne, H6. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Voilà, là je vous disais, je vous quitte. Et ça va être bon. Et on se retrouve bah, avec le mois du passé. À tout à l'heure. Hey, nous revoilà. On se retrouve dans un monde que j'ai généré. Ah tiens, je viens de remarquer ça. C'est un monde Densor. Ce qui signifie en fait, parce que j'ai réussi à trouver le symbole Densor, et donc ce qui signifie que, alors il faut juste que j'aille chercher ces trucs, les matériaux sont beaucoup moins espacés que dans un monde Minecraft normal. C'est-à-dire que vous voyez, là, fin, je commence à miner un truc, je suis passé pour, je suis parti pour 3 heures de minage, il y a des ressources, mais à toute berzingue. Donc du coup, bah là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà plus de place dans mon inventaire. Et d'ailleurs, je vais pas en enlever. Enfin, si peut-être, voilà, juste pour ça. Le monde est instable, mais ce qui est bien, c'est que c'est une instabilité, c'est que j'ai de la nausée et un autre truc. Alors bien évidemment, on va prendre les diamants. Et regardez, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14! 14 diamants en un seul filon. Donc vous voyez à quel point ça va très vite. Donc bien évidemment, je n'ai pas continué à miner des masses. Alors attendez, par contre. Hop, oui, c'est bon. Je n'ai pas continué à miner des masses avec vous. Puisque c'est pas super intéressant. De toute façon, là c'est un des premiers épisodes, vous me direz dans les commentaires hein, si cette façon de filmer vous plaît ou si vous préférez que je fasse bien des épisodes hein, comme d'habitude détaillés ou je reste avec vous entièrement. Et en fait on va se retrouver après dans le monde normal. On a deux, trois choses à faire et surtout on va se créer un monde à nous. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est, il y en a pas mal, je le récupère quand même. Hein. Les matériaux, il y en a encore pas mal, je sais pas à quoi ça sert. Alors ça, je sais que c'est de l'émeraude du, mais dans un, enfin, c'est très bizarre. Il y a des trucs très très bizarres. Alors le flint, on s'en fiche. Et ça, la cobble, voilà. Hop. Donc je vais continuer à chercher un peu de diamants et puis on se retrouve quand j'ai fini de le minage, de miner un petit peu façon petit et on va se retrouver pour gérer le monde et je pense qu'on va se quitter là parce que d'après ce que j'ai vu, ça fera à peu près une demi-heure. Voilà, à tout de suite. Hey, donc nous revoilà dans le monde réel. Donc voici les symboles pour ceux que ça intéresserait si vous voulez refaire un Densor à peu près stable.
C'est Medium Biome, Taiga Hills Biome, Savannah Biome, Redwood Forest Biome, Dense Ore, Normal Weather, Fast Time, Standard Terrain, Donjon, Village, Normal Sky Color, Normal Fog, Red Sunset et Standard Lightning. Bon, en fait, il est quand même un peu instable, mais donc je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en peaceful, et quand on se met pas en peaceful, on a blindness en plus. Donc vous pouvez pas voir bien loin. Et mining fatigue, ce qui est bah, dans un monde pour miner un petit peu stupide. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà les fruits de mes récoltes. Et j'ai décidé, hop, je vais vous montrer Diamond Chest. Parce que là, c'est plus possible. On n'a plus. Alors, à chaque fois, je fais l'erreur. Je vais appuyer sur R pour la recette. Voilà. Donc, pour ça, il nous faut un Silver Chest. Le Silver Chest s'obtient à partir d'un Iron Chest. Et l'Iron Chest s'obtient avec des Iron et un coffre normal. Donc, on va faire ça. Hop, le coffre normal. On entoure de fer. Oui, j'en ai plus, mais c'est juste que je viens de les sortir du four. Donc déjà on a un Iron Chest. Alors l'Iron Chest, qu'est-ce qu'il a de plus? Bah j'imagine, hop, voyez que déjà, alors là j'ai pas de coffre solo, mais vous voyez que un seul coffre, un double coffre, est plus aussi grand limite que le Iron. Donc cet Iron, alors, ah oui, j'ai fait fondre du rubber aussi, puisqu'après j'aurais besoin d'un générateur pour pouvoir faire de l'électricité Industrial Craft. Mais tout ça on va, alors. Voilà, et désolé. Mais tout ça, on va l'aborder un petit peu encore plus tard. Donc, on va revoir ça. Le silver, il nous faut 4 glaces et des silver ingots. Alors, des silver ingots, j'en ai. Voilà, là. 1, 2, 3, 4. Et surtout, je sais que j'en ai pas mal là. Silver or. Tac, c'est parti. Et ici aussi. En fait, mine de rien, des silver or, j'en ai pas mal. Bon, ça je le mets toujours ici parce qu'en fait il y a un petit problème avec ce minerai. Il m'arrivait en fait après ça se transformait à la place j'avais une sorte de poudre et puis dès que je cliquais dessus, enfin dès que je passais ma souris ici, c'est-à-dire que je me mettais comme ça, hop, le jeu crachait. Et ça affichait même pas ce que c'était, donc j'étais dans l'obscurité la plus totale. Je savais même pas quel objet c'était en fait. Hop, donc on se fait un silver chest. Et là, il nous faut 3 diamants. Alors bon, ça coûte des diamants, hein, bien évidemment. Mais quand on a les. Quand on a hop, un dense or, c'est pas un problème. Tac. Et voilà comment on obtient un diamond chest. Et le diamond chest, quant à lui, il est très grand. Donc on va le prendre. Tac. On va le poser. Où est-ce qu'on va le poser? Bon, on va faire ça, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Donc on va prendre les ressources. Là, c'est. On va tout vendre, tout vider là-dedans. Alors là, je vois. Ça fait très bizarre, hein, en tout cas. Là, franchement, je sais pas vous si sur la vidéo ça rend comme ça, mais enfin, ça fait très bizarre d'avoir tout. D'avoir un aussi grand chest en fait, enfin je suis pas habitué. Ça faisait un moment que j'avais pas rejoué à Minecraft. Enfin, rejouer un survival à Minecraft, c'est vraiment les mods là qui m'ont redonné le goût de jouer. C'est le cas de le dire. En tout cas, là pendant cette série, on va faire plein de choses, ça va être énorme. Et surtout, si vous avez des choses que vous voulez que je fasse, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez des questions relatives au mod sur quelque chose que j'ai mal expliqué ou quoi que ce soit. Franchement, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Hop, donc, oula, par contre ça je le mets pas ici, je vais le mettre là. Maintenant, une deuxième chose que je voulais faire, c'est un link modifier. Alors un link modifier, voilà ce que c'est. Alors là, vous me dites, mais il est fou! Et en effet, je suis totalement fou. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, en même temps, j'hésite. Mais le truc qui est bien, c'est qu'une fois qu'on en a un, on en a un. Donc il me faut 1, 2, 3, enfin 3. Ouais, il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je sais même pas si j'aurai assez. Je crois que c'est un.
Oh non. Je crois que j'ai juste pas assez, et de toute façon. Non, non, c'est. Je pensais que ça coûtait moins cher, en fait. Je pensais qu'il y avait plus de blocs de d'or. Donc, non, finalement, je vais pas le faire. On le fera une autre fois. Mais en fait, ce truc-là, c'est génial parce que les livres, là, quand tu les utilises. Alors, attendez, hop. Petite téléportation dans le monde. Aïe. Alors là, vous voyez, je suis en train de. Parce que du coup, j'ai réapparu au-dessus. Ah merde. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne chose, ça. Je suis en train d'avoir très mal aussi. Si, voilà, le poison pouvait passer. Parfait. Vous voyez, ce bouquin, je suis obligé de le poser là. Parce que sinon, il tombe par terre et s'il prend un coup, bah, c'est fichu. Donc, bah, ce qui sera bien, en fait, c'est qu'après, ce truc-là, on pourra le mettre dans le Link Modifier. Purée, on voit vraiment rien avec Blind Test, ça m'énerve ça. Avec le Link Modifier, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra le faire qu'il nous suive. C'est-à-dire que quand on se téléporte, on le garde dans la main et du coup, bah, pas besoin de le poser sur un outil. C'est pareil. Vous voyez ici, je vous mens pas, hein, c'est vraiment tous les bouquins stables qui m'ont permis d'avoir tous les symboles qui sont ici. Donc là, j'ai pas mal de symboles, de quoi faire des beaux mondes. On va en faire un. Mais d'abord, non, on va se faire d'abord un petit monde où on pourra mettre notre vraie base parce que. Bon, c'est pas on squatte un village PNJ, mais voilà quoi, c'est pas des super colocs. C'est genre, salut, ça va? Émeraude égale un steak. Mais je veux dire, la famille, ça va? Une émeraude égale un steak. Bon, tu sais quoi, laisse tomber. Donc non, on va laisser, on va s'en aller d'ici. Ce sera notre, enfin, pour l'instant, notre point d'ancrage. Mais après, on ira. Alors, attendez, ça, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est? Ça se craft comme ça, hein, avec des bois, n'importe quel bois, on s'en fiche. Hop. Et ça vous permet de faire un truc dont vous aurez toujours besoin en utilisant les modes Industrial Craft. Enfin, toujours, j'exagère peut-être, un petit peu, beaucoup. Puisque bon, après, on va se servir de diamants et de verre. Mais pour pouvoir conduire de l'électricité. Quoique, ouais, non, si, quand même. C'est quand même un élément important. C'est la résine. Donc là, vous voyez, ça fait un petit bruit rigolo. Et j'obtiens une sticky résine. Les sticky résines, quand on les fait fondre, ça nous donne un rubber, donc du caoutchouc. Et quand on utilise un extracteur, qui permet donc d'extraire la matière d'un bloc, ça nous en donne deux. Donc du coup, bah, quand on pourra. Alors, faut pas casser l'arbre hein, en fait, c'est pas genre ça y est, je l'ai pris, on casse l'arbre. Il faut le laisser puisque les arbres redonnent des rubbers à l'infini. Donc, ça peut être utile. Hop, je vais le mettre avec les autres rubbers. Ils sont où les rubbers? Ah, bah oui, je les avais mis à fond, suis-je bête. Hop, je range ça. Ok, alors là, je viens de me rendre compte que j'ai certes un bouquin, mais que j'ai pas de truc pour revenir dans le monde réel. J'ai du papier, il me manque du cuir. Et ça m'énerve. On va voir. Je vais regarder s'il n'y a pas un moyen d'en crafter, peut-être. Hop, leather. Voilà. Non, à chaque fois je me fais avoir. C'est bon. Leather. Scrapbox. Ah, zut, je peux pas. Alors ça. Oh, une poule. Bon, ben, ce sera notre animal de compagnie. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Bah, je peux vous montrer. Ouais, non, c'est. Parce qu'en fait, j'ai généralement. Mais c'est pas ce que je voudrais finalement. Il est stable, hein, mais c'est pas là que je veux faire ma base. Donc, je trouve ça un peu stupide. On va faire quoi? Bah, déjà, on va continuer à mettre des choses à cuire. Hein, Bah écoutez, je vais partir. Alors, je vais d'abord dormir, hein, puisque j'ai pas envie. Oui, j'avais fait. Là, il y avait une petite mine, hein, parce qu'au début, il me fallait mine de rien quand même un petit peu de minerai, hein, avant de me lancer dans l'exploration des mondes. Je tenais aussi à vous dire, là, j'ai conservé ces livres-là pour que vous voyez le travail que j'ai fait, parce que je me dis qu'en même temps, après, il y en a qui vont se dire, ah, tu cheats, etc. Franchement. Ah, bah tenez, attendez, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Il y en a qui vont me dire, ah, tu cheats, je suis sûr qu'en fait, t'as rien fait, tu t'es givé les choses et tout ça. Franchement, non, j'essaie de le faire en survival. C'est juste que
Je trouve que la façon de filmer en intercalé est plus intéressante pour vous comme pour moi, puisque ça me permet de filmer à des moments où j'ai pas mon micro, ou, dans un transport en commun, ou des endroits où normalement je pourrais pas tourner. Ça me permet de jouer quand même un peu, et c'est sans doute aussi pour ça que finalement j'avais arrêté Age of Minecraft, puisque du coup, dans ma lancée, j'ai été stoppé et je n'ai pu continuer à faire cette série. Hop. Bah finalement, je crois que j'ai pas assez. Parce qu'une autre chose là que je voulais me faire pour miner, c'est. Alors, backpack. Voilà, ce sont les backpacks. Donc, les backpacks, c'est un truc génial. Vous mettez ça dans votre inventaire et ça fait comme si vous aviez un coffre activé dans votre inventaire. Par contre, les backpacks sont assignés à un certain type de choses seulement. Donc là, c'est Adventurers, j'imagine que c'est les loots. Ici, Builder, c'est les blocs de construction. Digger, celle-là, c'est un truc qui m'intéresse, puisque ce serait c'est pour miner, donc c'est ce que j'aimerais. Ah voilà, là, il y a plus de slots. Déjà ver. Hop. Ah oui, non, d'accord. On va s'en tenir à ça. Vous voyez, c'est juste qu'il me fallait des strings pour l'avoir. Il y a Forester, donc pour le bois, et Hunter, et Miners. Alors ça, Miners, c'est peut-être mieux. Je sais pas, c'est peut-être un peu mieux. Ça, je pense que c'est plus pour la cobble que pour autre chose. Bon, on verra bien. Donc, je vais aller chercher du cuir. On se retrouve pour générer le monde. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Quoique non, en fait, vous savez quoi, on va arrêter maintenant. Je vous ai déjà montré deux trois choses intéressantes. C'est le premier épisode, hein, donc début de série. Il faut pas non plus s'attendre à des choses extravagantes. Alors, par contre, je voulais juste voir. J'ai trouvé des graines dans un monde qu'elles sont en train de pousser. Je sais pas ce que c'est et j'aimerais bien voir. Donc, on va attendre. Je vais attendre que ça se pousse, et puis on verra bien. Qui vivra, verra. Une petite coupure, ma mère qui m'appelait. Donc, je disais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer, ce que vous voulez que je voie, ce que vous voulez que je fasse, ce que vous voulez qu'on étudie ensemble. Si j'ai pas bien expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le, ça me ferait super plaisir. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Salut à tous, c'était NHM Minecraft, à vous les studios!